Les graphomythes sont des croyances fausses concernant l'écriture manuscrite. Ces croyances sont nombreuses et résistantes. Nous allons donc vous aider à faire le tri entre mythes et réalités. L'apprentissage de l'écriture débuterait avec le tracé de son prénom. Alors, mythe ou réalité ? En réalité, c'est injuste, car le niveau de difficulté varie avec la complexité du prénom. De plus, c'est incorrect sur le plan de l'enseignement, car ce n'est pas un prérequis, ni même la première étape de l'apprentissage de l'écriture. En fait, cela revient à mettre la charrue devant les bœufs. Cette pratique pose de nombreux problèmes. D'abord, elle met la pression sur l'enfant. Certains se sentent en échec très tôt et en viennent parfois à rejeter cet apprentissage. Cet enseignement trop précoce participe à installer durablement des gestes inadaptés. Place aux bonnes pratiques. Commençons pour tous l'enseignement par la base, comme on le fait dans d'autres domaines. Une tenue de crayon ergonomique, libérant le mouvement des doigts. La boucle, forme de base de l'écriture cursive. Puis quelques mots en cursive, les mêmes pour tous. Des mots choisis et adaptés. Retrouvez-nous sur notre site, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube pour d'autres conseils. Et dans nos cabinets, où nous accompagnons des enfants, adolescents et adultes pénalisés par leur écriture manuscrite. À bientôt !